C'est la chose qui arrive, c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux recevoir dans ma vie. C'est waouh, c'est ça le mot que j'ai. Ouais, je suis contente, puis là je suis pour la meilleure actrice. C'est pas la première fois que je suis nominée pour la meilleure actrice, mais j'ai comme une sorte d'espoir de l'avoir, quoi. C'est un peu bête, un peu enfantin pour moi, mais je sais pas, le personnage de Marguerite m'a tellement apporté que j'y crois. J'étais satisfait, j'étais content, parce que, après, comme je disais, c'est que ce qui est bien avec le meilleur premier film, c'est qu'en réalité, c'est un César pour toute l'équipe. Et c'est assez symbolique, donc c'est cool. S'il devait en avoir qu'un seul, j'aurais aimé que ce soit celui-là. Je me lève un matin et je reçois plein de textos de félicitations. Bravo, bravo. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait hier soir pour qu'on me dise bravo comme ça. Et puis en fait, non, voilà, j'ai appris que j'étais nominée. J'étais hyper heureuse. Une petite danse de la joie. J'étais dans le train, je fais Paris-Mont. Et une amie qui m'appelle pour me lancer ça et je dis non, arrêtez, c'est une caméra cachée, vous vous moquez de moi, c'est pas possible. J'ai resté à pleurer pendant 3 jours parce que j'ai pas cru. Je l'ai appris par mon agent qui était très content. Tellement content. Et moi j'étais très contente aussi. Très surprise, hein. J'avoue que d'être dans les présélections c'était déjà un joli cadeau, mais d'être nommée je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, j'ai vu une vidéo de Kate Winslet qui dit qu'elle avait mis son Oscar aux toilettes et que du coup, selon le temps que ses invités passaient aux toilettes, elle savait, quand ils ressortaient, elle disait « You're playing with Oscar, t'as joué avec Oscar » et tout. Donc ouais, je sais pas, non, moi je sais pas. Ah, je sais pas, j'ai toujours un bazar d'objets chez moi, il sera parmi ce bazar. Dans ma cuisine. Dans votre cuisine, ouais. Avec les casseroles et... Pas loin. Non, je rigole. Non, il ira avec... parce que mon Molière est déjà dans ma cuisine. On met les prix ensemble. Je le donnerai à mes parents. En vrai, c'est leur histoire. C'est leur histoire, c'est eux les vrais auteurs de cette histoire. C'est eux les vrais interprètes également. Et ce serait logique que ça vienne récompenser leur vie, en fait. 41e cérémonie des Césars, en clair et en direct, vendredi 26 février sur Canal+.